des cahiers personnalisés aux couleurs des forces de défense et de sécurité pour servir de support éducatif aux primaires. C'est ce projet CAMURU-CEPS, contribution du peuple pour l'éducation et la santé, afin de promouvoir la bravoure et le courage des forces engagées pour la reconquête du territoire national. Pour la phase pilote du projet, cette association de jeunes burkinabais lance une campagne de production et de distribution d'1 million de ces cahiers au profit des élèves les plus démunis, surtout ceux vivant dans les zones d'insécurité. L'objectif général de cette campagne est de soutenir l'éducation des élèves démunis tout en promouvant le patriotisme et le respect envers les forces combattantes. Nous visons principalement les élèves les plus démunis dans les zones à fort défi sécuritaire. En clair, en instituant cette campagne, CEPS veut stimuler l'amour de la patrie et l'engagement chez les plus jeunes, surtout en cette période difficile. Sur le million de cahiers projetés, CEPS dit avoir pour l'instant produit 50 000. Pour le moment, c'est avec nos moyens personnels qui sont tirés de la diffusion d'un manuel que nous avons mis sur le marché intitulé « L'essentiel au CM ». Ce sont les retombées que nous utilisons pour financer notre projet. Le coût de 1 million de cahiers se relève à 234 millions, répartis en cahiers de dessin double ligne, 100 pages, 48 pages et 200 pages. Pour relever le défi d'un million de cahiers, Mathias Zida et ses collaborateurs appellent les structures publiques privées, les organisations non gouvernementales à associer leur image à cette initiative.